Alors, le débat ce soir, suscité par ce projet de réglementation, sous-tend à la base, selon moi, une différence fondamentale de vision qu'on souhaite donner à notre arrondissement d'Outremont. Il est difficile d'ignorer une problématique qui devient plus aiguë avec les années, car elle oppose une majorité qui veut qu'Outremont se développe avec un regard résolu sur le futur à une minorité religieuse croissante qui veut se développer avec un regard résolu sur des rites anciens et des valeurs sectaires. En bref, veut-on un arrondissement où une majorité de la population parle et vit en français, mais qui est inclusive, car elle valorise l'ouverture, l'accueil, la courtoisie, la civilité, la beauté et l'harmonie, avec des districts vivants, vibrants, imaginatifs, créatifs, reposants et attrayants, bref, un lieu perçu comme un pôle d'attraction recherché et reconnu. Est-ce qu'on veut cela pour Outremont ou veut-on un arrondissement qui laisse à l'abandon une partie grandissante de sa vie de quartier à une minorité bien organisée qui fait peu ou pas d'efforts pour s'intégrer aux valeurs de la majorité, qui se préoccupe peu d'entretenir ou d'embellir leurs immeubles, qui vit de façon sectaire avec des coutumes résolument tournées vers le passé, qui est hostile à la Je vais différence? quand même vous demander de ne pas généraliser dans vos propos, s'il vous plaît. Madame, laissez-moi parler, vous parlerez plus tard. Donc, cette minorité qui trouve même suspecte, dangereuse et méprisante les valeurs de la société majoritaire, qui demande toujours plus qu'elle ne donne, qui ne trouve de valeur que chez leurs semblables, qui n'hésite pas à insulter ceux qui ne pensent pas comme eux et qui essaie de grignoter systématiquement les réglementations de l'arrondissement pour le transformer graduellement en enclave religieuse. Monsieur Larrain, je veux juste, s'il vous plaît, non, pas d'applaudissements, pas d'applaudissements. Regardez là. Monsieur Larrain, avec tout le respect que je vous porte, vous savez que je vous respecte en tant qu'ancien journaliste et tout.